peu acheter. Dans la catégorie « Lancer de verre dans ta face », voici Marina. Okay. Va te faire foutre. L'épisode est là. Est-ce que vous êtes prêts à revenir sur la planète Shore pour All-Star Shore épisode 6 pour voir si vraiment Angelina va se permettre de faire la maline avec ma Chloé, ma star. Let's go, bitches! Alors, excusez-moi, si vous entendez couiner depuis tout à l'heure, je ne suis pas en train de lâcher des caisses. C'est juste que c'est le coussin en cuir qu'il y a sur mon fauteuil. Tout à l'heure, j'entends couiner, j'ai rien, j'ai le dos nu derrière. Joey, c'était vraiment pas beau à voir. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trébuché sans faire exprès. Tu veux faire croire ça à qui? À qui tu veux faire croire que t'as trébuché, que c'était un accident? Je n'avais pas envie de participer à ce concours de drag queen. Quoi, cette chute au ralenti? Sérieux? Il est trop chiant. Je vais m'énerver. Putain, le vin rouge sur le tapis. Aïe, 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 aïe. C'est pas ma faute. C'est pas la faute de Joey SX. Mais en plus, il parle de lui à la troisième personne. Faut que je me calme. Tu sais à quoi t'en tenir, de toute façon. Je sais même pas pourquoi je fais l'étonner, en fait. Il t'arrive quoi, Joey? Il fait de la merde. Joey a décrété qu'il était trop cool pour prendre part aux festivités de ce soir. Il a décidé de devenir le centre de l'attention. Exactement. On vient à peine de commencer. Pourquoi je vois un nuage noir arriver? Lui, au centre aéré et à l'école, mon dieu, ça devait être un personnage, mais détestable, enfant ou pas enfant! Plus aucun verre pour Joey! C'est bon, j'ai fini. Quel connard ce Joey! Si la soirée ne tourne pas autour de lui, il commence à faire des dingueries. Exactement. Donc si tu veux vraiment que la soirée tourne autour de toi, assis-toi et viens te mettre tous des patates! Là, la soirée, elle va tourner autour de toi, tout le monde va te défoncer. Joey a plombé l'ambiance et la soirée drag de Venji. Allons-y! Mais le reste de la villa compte bien profiter de la soirée. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait, Bethan? Oh putain! À tous les parents qui nous regardent, si vous calculez pas votre gosse, il finira comme Joey. Je vous ai dit quoi? C'est tellement réel en plus! Et ils sont tous en drague en train de rigoler! Regardez pas trop! Venji President! À ma santé. Mais... Attendez, faut que je reprenne mes esprits. Ce mec-là est un vrai cas de psychologie, hein. Elle est où la dame, là? L'infirmière en psychiatrie? Viens, là, y a un cas d'école. Venji, vraiment, il est incroyable. C'est The Punisher, en fait. The Punisher! À ma santé. Il fait trop pitié. Regarde ça. Imagine, y a un mec qui vient, il te dit à ma santé, paralysie du sommeil. Ça se rapproche. Wow, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu cette facette de lui. Je te l'avais dit. De quelle facette tu parles, toi, déjà? Vous voulez pas donner une minute de téléphonie à Angelina pour qu'elle appelle son mari? Juste comme ça, non? Le drag, c'est pas pour moi. T'inquiète pas, c'est bon. Traumatisme, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Y'a rien. On est même pas en train de t'en parler. Y'a pas de problème. T'as pas demandé de faire un pacte avec le diable et de te couper une couille, hein? C'est quoi son problème, Joey? Il essaye d'attirer l'attention. C'est de la psychologie inversée. Il veut savoir si tu lui plais en essayant de te rendre jalouse avec une autre meuf. Mais ferme ta gueule, toi. Je sais vraiment pas où t'as eu ton putain de diplôme. Qu'est-ce qu'il en a à faire d'Angelina? Et le drag dans tout ça, qu'est-ce qu'il a à voir avec Angelina? Faut que tu saches que je plais beaucoup à Angelina. Enfin, je sais que je lui plais un peu. Non mais t'es bourré ou quoi? Mais elle est mariée. Va falloir que je dise quelque chose. Ça pue la merde, hein. Ce mec-là, en plus de ça, j'ai l'impression que, vous savez, c'est la personne qui met le déodorant sur la flamme du briquet. Et qui fait... Quelqu'un m'a dit qu'il faisait ça juste pour voir si j'allais réagir. T'y crois en plus, toi, hein. Ça te rassure, hein. Chloé, qu'est-ce que tu fais, nom de Dieu? Ce mec-là t'a envoyé en exil. T'as oublié? Moi, j'ai pas oublié. Ce n'est pas ton ami. C'est pas, mais le diable. Le loup déguisé en agneau. Ça me fait l'effet inverse. J'ai envie de fuir. Tu vois ce que je veux dire? Faites en sorte de le filmer. Il est désespéré. Vite, filmez-le. En terminant la bouteille, il est désespéré. Allez le filmer. Séquence, allez. Et l'autre qui dit, oui, fais ça pour moi, jalouse, mais moi, ça fait totalement l'effet inverse. Ça me donne envie de fuir, mais j'espère bien, madame mariée. Personne le calculait quand il était petit. Venji. Comment ça on connaît pas Venji en fait? Comment ça il a fallu qu'on mette All Star Shore pour connaître cette personne incroyable qui non seulement dit des choses et en plus en face des gens et devant tout le monde? Tu es quelqu'un de bizarre et de chiant. C'est bon, tu vas pas gâcher la soirée. Ce soir, c'est notre soirée et vous avez pas intérêt à tout gâcher. Qu'est-ce qu'elle a elle? C'est notre soirée? Non, c'est la soirée de tout le monde. Qu'est-ce qu'elles ont les deux là? Faut boire de l'eau. Non, je te fais la gueule. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te comprends pas. Laisse tomber, je trouve ça trop gênant. Je sais même pas comment te le dire, lâche-moi. Venji. Là, t'es mariée, je te rappelle. Regardez-moi ça, regardez-moi juste ce visage. Admirez cette perfection. Mais Angelina, t'es mariée, je te rappelle. Mais j'essaie même pas de te pécho. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie pas. Pendant ce temps-là, Chloé, Angelina, t'es embarrassante. T'es là en train de raconter à tout le monde, oui, apparemment il fait ça pour me rendre jalouse. T'es putain de mariée en fait. Ça va tirer dans tous les sens ce soir.
Jamais de la vie, jamais de la vie. Ok, j'ai capté. Joey, comment oses-tu? Je t'ai dit que j'étais mariée. Je t'ai peut-être draguée, mais j'ai dragué tous les autres mecs de la villa. C'est plus fort que moi. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour le mari et le père des enfants d'Angelina. Quand il y en a plus, il y en a encore. Mon mari drague aussi. C'est que quand je parlais à Chloé, t'étais vénère. Mais non! Arrête de mentir. Non, mais t'es sérieux? Ça se voit que ça t'énerve. Tu me saoules. Lâche-moi. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fuis? Je te déteste, hein, Joey Sex. Hein, je ne t'aime pas. Hein. Mais pour le coup, oui. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité, meuf. Donc ça chouine parce que ton mari t'a pas soulevé depuis je sais pas combien de mois. Mais t'as le droit d'aller draguer lui aussi. Dégage ou je te défonce la gueule. T'es vénère. Arrête ça ou je te défonce. Chloé. Chloé? Il a appelé Chloé. Un mariage aussi bancal que ma santé mentale. On dirait qu'il a appelé par le prénom de son ex. Qu'est-ce que vous foutez dans cette émission, madame? Dégagez. Oh non, merde. T'es en train de me monter les nerfs. Ma best life. Chloé, toujours avec deux verres. On avait la version bêta et on a la version 2.0. Je sens que cette soirée va être exceptionnelle. C'est pas genre qu'on se drague pas depuis le début. Oui, c'est vrai, on se drague, mais c'est pas grave, j'ai le droit de draguer tant que... Je te comprends pas. Oula, oulala, deux salles, deux ambiances. Tu t'excuses pas? J'ai pas fait exprès. Lâche ton verre, touche pas à mon verre. Alors t'as le droit de faire ça, comme ça. Ouais, je veux qu'il y en ait partout sur le sol. Vas-y Chloé, t'abuses, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Chloé sous alcool. En attendant, si vous voulez bien faire juste une petite analyse de cette image pour Karimé, sur qui elle est encore en train de se frotter. Non mais vous croyez qu'on s'est mise en bombe pour que vous nous gâchiez la soirée à force de vous bourrer la gueule? Je crois pas, non. Bande de connards. Oui bon, mais toi aussi bois de l'eau hein, quand même, hein, parce que depuis d'ailleurs, tu parles, t'as pas l'air non plus très très clair, hein. Je sens que ça va partir en faillite. Tu sais, il y a pire dans la vie qu'un verre qui tombe par terre, je te le dis. Quelle actrice! Faut s'essuyer, madame, hein, par contre. Hein. Je sais pas ce que vous êtes en train de boire, mais apparemment, vous aussi, faut boire un petit peu plus d'eau. Parce que là, ça coule, hein. Tu devrais venir tourner des telenovelas brésiliennes, bravo. De quoi tu parles? C'est lunaire. Elles ont bu tout le bar et maintenant, c'est le foutoir. D'où tu pètes un câble? Parce que je fais tomber ton verre, c'est bon, je vais t'en servir un. Pourquoi tu viens me faire chier? Parce que tu kiffes encore Joey. Voilà, c'est pour ça. Je suis désolée, mais le vrai fond du problème, oui, tu n'as pas à autant être impliqué depuis le début pour R en fait. C'est bon, on a compris. Elle kiffe Joey. Elle dit que t'es en colère parce que tu kiffes Joey. Apparemment. Tu kiffes encore Joey? Elle kiffe Joey, c'est pour ça qu'elle vient me prendre la tête à chaque fois. Pour le coup, dites-moi si je suis folle, mais pour moi, oui, il n'y a pas à être autant impliqué, autant vénère pour une histoire de bourré là. Écoute, j'ai juste envie de baiser. Mets-toi bien ça dans la tête, ok? Va te faire foutre. J'ai peur. Vraiment, t'aurais jamais dû faire ça. Chloé, montre-leur qui tu es. Je suis choqué. Non mais sérieux. Elle est cinglée. Ça va pas bien dans ta tête. Elle a complètement pété les plombs. Là d'où je viens, en Angleterre, on jette pas un verre à la gueule de quelqu'un. C'est une limite à ne pas franchir. Je suis tout à fait d'accord. Marina assume bien comme il faut après. Mais bah oui, c'est parce que j'ai bu trop de tequila. J'ai envie de rentrer dans l'écran et genre de me battre avec elle. Ce que t'as fait, c'est vraiment pas correct. Moi je suis sobre. Comment madame? Vous êtes quoi? Vous êtes sobre? Non mais moi j'ai bu que de la cristalline. T'es en tort, ferme ta gueule. J'essaie juste de passer un bon moment avec mes amis et Chloé et Joey gâchent tout. Ils plombent la soirée. Mais y'a rien du tout. Enlève le mot Chloé de ta bouche en fait. C'est toi qui balances des verres dans la tête des gens. Et en plus l'autre là qui était en ITV avec elle depuis le début. C'est notre soirée, vous avez pas intérêt. Bing 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 bing. Qui c'est qui me touche? C'est elle qui te touche. On peut pas passer une seule soirée sans qu'il y ait des embrouilles. Toi arrête de faire le mec. T'as pas intérêt à le refaire. Je vais te défoncer. La vie de ma mère, écoutez-moi bien. Marina, à partir de maintenant, t'es mon ennemi numéro 3. Elle lui dit, toi, juste t'as pas intérêt à recommencer, regardez ce qu'elle fait. Regardez ce qu'elle fait, si ça, c'est pas le seum en personne. T'oses refaire ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi elle fait ça? Ma meilleure amie de la villa est en train de péter un câble. C'est quoi le problème? Vous poussez les gens à bout et après vous vous étonnez pourquoi ils sont en train de devenir fous. Mais brûlez-moi tout ça, Chloé! Prends un chalumeau, fous le feu! Tu peux m'expliquer ce que t'as fait? Elle a abusé, elle a grave abusé. Pour qui tu te prends? T'arrêtes ton petit jeu tout de suite, sinon c'est à moi que t'auras affaire. Je suis désolée, j'essayais de viser Joey. Bah non, qu'est-ce qu'il y a madame? C'est quoi cette petite voix mielleuse? Tu veux attendrir qui, toi? Je suis désolée. Comme les gens qui te frappent par derrière et qui partent en courant. Mais putain, mais... Va leur dire alors. Je vis trop mal, c'est tout. Je vis trop mal, c'est tout. Mais je suis sobre, hein. C'est vous qui avez tout manigancé pour avoir votre moment de gloire. Si vous étiez une reine de la télé comme Angelina, vous pourriez être assis dans une robe python magnifique et quand même avoir des séquences. Qui lui dit, s'il vous plaît? Qui lui dit? T'as juste peur que Chloé te vole ta place avec ta robe python des années 2008, là, des années get up, là. Angelina, t'as pas d'amis, ferme ta bouche. Écoute, je lui aurais jamais lancé mon verre à la gueule. C'était pas elle que je visais, c'était Joey, c'était pas elle. C'est bon, arrête. Je la visais pas, elle. En plus, t'assumes pas. La vilaine, la pas belle.
C'est ça, défends-la. Jeter son verre à la gueule de quelqu'un, c'est comme lui donner une gifle. J'étais obligée de défendre Chloé et Joey. C'est un manque de respect. Qui a des questions? Oula, 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 oula. Chloé, quand l'alcool redescend, préparez-vous, c'est le spectacle. Là, vous allez avoir dans la séquence. Moi, je veux savoir pourquoi tu m'as jeté ton verre à la gueule. C'est parce que j'ai fait tomber la tequila? Elle s'est énervée parce que tu disais qu'elle voulait coucher avec Joey. Mais parce que c'est la vérité. Et d'ailleurs, toi aussi, tu veux coucher avec lui. Vous croyez que quoi, en fait? Vous croyez qu'elle allait vous épargner? Venji lui-même est étonné. Je rentrerai pas dans votre jeu. Les filles. Ce petit jeu-là, ça marche pas avec moi. D'ailleurs, je devrais même pas t'écouter. L'ancienne Angelina est de retour et c'est pas bon signe pour vous. Non, toi, t'as pas compris, toi. L'ancienne Angelina, elle faisait peur à Deguin déjà. Donc laisse-la où elle est, limite, c'est mieux. Va passer un coup de fil à ton mari, là. Vas-y, là. Dis-lui, je suis un manque de quéquette. Là, j'ai envie de leur éclater leur tête à tous les deux. Je sens que l'ancienne Angelina est en train de sortir. Là, je me retiens. J'essaie vraiment de pas leur faire la misère. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a que la vérité qui blesse. On en a assez vu pour ce soir. C'est bon, arrête. T'es mariée et tu dragues Joey? Mon mari sait très bien que j'aime draguer les mecs. On a qu'à demander à Joey. Tu sais quoi? Et s'il allait se faire foutre plutôt? Bah alors, grande dame de la vérité, on veut pas parler au protagoniste. Oui, c'est ton coéquipier qui crie sur tous les toits, qu'apparemment t'as envie qu'il te baise. Je te préviens, si tu me cherches, tu vas me trouver. Oh non, je suis dans mon froc là. Oh non, Angelina va me taper. J'ai pas peur de toi. Au fait, pourquoi vous avez pas encore conclu? Il veut pas coucher avec toi. Mais y'a rien eu du tout. Mais y'a rien eu, y'a que ce soir, y'a eu 2-3 smacks de bourrés là en fin de soirée. Non, par contre, Angelina, avec toi, il veut pas coucher. T'as 35 ans, t'as pas un mari dont tu dois t'occuper? J'aimerais bien qu'il soit là, mais il était pas dispo. Du coup, t'en profites pour draguer Joey? Pourquoi ça te met dans cet état? Parce qu'il veut pas de toi? Et on se calme! Il veut pas de ta sale gueule! Eh, hey, tout le monde te saute dessus, Angelina, tu t'approches pas de Chloé, on t'a dit. Parce que si on la lâche, ton mari va même pas te reconnaître après. Regardez comme elle est prête à en découdre! On se calme! C'est bon, déblayez! Allez, circulez, y'a rien à voir! J'arrive pas à croire qu'il se soit passé autant de choses aujourd'hui. Il m'a saoulé. Je veux plus jamais revoir sa gueule. Eh ben alors, si c'est lui le problème, qu'est-ce que tu viens faire la chaude avec Chloé alors? À dire ta sale gueule! Putain, je viens de bloquer sur ses bottes. Qui met ses bottes encore en 2022? Hein? C'est pas Joey que t'as pris en grippe? Non mais comment il ose faire ça? Il va raconter à tout le monde que je veux le pécho? Il est complètement cinglé, lui. Dans ce cas-là, c'est avec lui qu'il faut faire la chaude. Mais non, t'as fait la garce, t'as fait la belle avec Chloé. Et tout le monde t'a dit, fais pas trop la maline, parce que si Chloé te prend, elle te casse les os. Je le toucherai même pas avec ta bite. Compris? Je pensais pas qu'il était comme ça. Mais déjà, on touche pas la bite d'autrui, hein, comme as, hein. Mais t'as un mari, putain! Je suis désolée que Chloé soit un peu jalouse. J'arrive pas à croire que je me sois mise dans cette situation. Je tenais juste à dire que j'ai essayé de calmer le jeu des deux côtés. Chloé qui est jalouse, t'es pas bien, hein. Chez moi, ça se passe pas comme ça. Chez moi, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je suis intervenue. Ça fait longtemps que je fais de la télé et j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois une embrouille partir aussi loin. Je suis obligée d'exploser de rire et après, tu te prétends être la reine de Jersey Shore en disant que t'as jamais vu des embrouilles partir aussi loin? Normal, personne t'aimait. Tu prenais tes valises et tu te cassais. Comment ça va finir? On va se réveiller demain et faire comme si de rien n'était? Ça va rester gravé. Regarde, de la pizza. J'ai fait de la pizza. Eh merde. Oh, c'est chier. Frère, la pizza sort du four. Tu veux pas prendre une assiette pour la mettre dedans? Espèce de trou du cul. T'étais où pendant l'embrouille? Je sais que t'es inquiète pour ta pote, mais tu veux pas qu'on passe une bonne soirée tous les deux? Non, je me sens trop mal là. J'ai pas envie d'aller baiser en haut. Regardez derrière, il y a Trina qui est en train de faire une consultation à Angelina. Regardez derrière. J'ai pas envie d'aller baiser en haut. Je suis pas d'humeur, tu comprends? Bien sûr. Tant mieux. D'accord. Tout tourne pas autour de ta bite. Eh oui, monsieur, hein. Lui, il est là. Elle m'a dit t'étais où pendant l'embrouille? Ouais, mais pour moi, c'est pas une soirée perdue. On monte en haut, faire des câlins. Je me remets pas de ce qui s'est passé. Ça aurait jamais dû arriver. Si ça se reproduit, je me barre avec toi. Dégage, dégage. T'approches plus de ma Chloé, ma bébé là. Regardez dans l'état que vous l'avez mise là. Mais vilaine! J'en ai marre de toutes ces conneries. Oh, le réveil, il va être iconique. On a mis des faux seins, du maquillage, des perruques, tout ça pour que ces deux abrutis aillent faire les clowns. J'ai trop les nerfs que Joey ait gâché la soirée. 2 minutes et il était déjà, je cite, bourré. Arrête tes conneries. Exactement, arrête tes conneries. Venji, il voit très très bien, il voit très très clair, hein. Le mec, il vient foutre le bordel et il croit que je vais fermer ma gueule et rien dire. Ben non, contrôle-toi, pétasse, on n'est pas au zoo ici. Oh oui! C'est trop immature comme comportement. J'avais pas connu ça depuis la crèche. S'il me cherche, il va me trouver. Boom! Oh, je l'aime! Je suis venu ici pour m'amuser. Toi aussi, on cherche pas la merde tous les deux. En plus, Karimé m'a proposé un massage spécial, alors. Elle perd pas le nord, elle a planté cette graine dans mon cerveau et depuis, elle arrose de tequila. Mais est-ce qu'elle s'en souvient? Telle est la question! On a des meufs, on a 70 points, c'est cool. On a la belle vie, j'aimerais pas être à la place des autres. J'ai l'impression que la villa va imploser. Tu l'as vu ce matin? Non. Putain. Ah ouais, Angelina, dès le matin, tu penses à ça? Je suis vraiment dégoûtée de mon binôme, Joey. Il me dégoûte de ouf. Normal. J'ose même plus poser les yeux sur lui.
Mais casse-toi. Fais ta valise et rentre chez toi. Dans cette aventure, il est censé prendre mon parti. Mais au lieu de ça, il préfère essayer de me rendre jalouse. Non mais ça, c'est dans ta tête, hein. Elle est encore là. Trina est encore là. C'est elle qui t'a planté cette graine dans ton cerveau, hein. Je suis saoulée. Pourquoi? Ça me plaît pas trop ce qui s'est passé hier soir. J'aime pas me réveiller comme ça. N'essaie même pas, Joey. Va-t'en, s'il te plaît. Sors de la chambre tout de suite. Ça va? Putain, ouais, comment t'as pas envie de le baffer? C'est pas une attitude à avoir, Angelina, avec quelqu'un que tu viens de rencontrer dans une émission avec qui on t'a mis en binôme. T'es trop impliquée, meuf, ma parole. Je suis larguée. Je comprends pas pourquoi Angelina a pété des plombs, ni pourquoi elle est aussi énervée. J'ai l'impression que Joey est la source du problème. Merci, Gigi. Et l'autre, elle répond, of course. Of course de quoi, la contre-passe? Il a participé à plein d'émissions, il a l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Mais pas la peine de faire perdre le temps de tout le monde juste pour avoir ton moment de gloire. Mais il est hors de question que je pardonne à ce connard. Mais pardonnez quoi, toi de... Mais va demander pardon, toi, déjà. Oh, y a personne qui veut un peu la poser, lui dire, bon, écoute, Angelina, écoute-moi, c'est très important. Et lui dire ses quatre vérités. Comme il t'a dit, Venji, tu l'as défendu, on dirait sa mère. Tu vas aussi l'essuyer quand il va faire caca. Je viens te voir parce que je veux pas être en froid avec qui que ce soit. Je suis vraiment désolée d'avoir dit tout ça, je le pensais pas. J'ai pas envie de m'embrouiller avec toi, j'en ai marre des disputes, ça fout une mauvaise ambiance. Chloé, le bon cœur. J'espère vraiment que le karma va bien s'en charger. Je le dis du fond du cœur, je voulais pas gâcher le concours de drague. Je vais pas te dire que je suis désolée de t'avoir balancé mon verre à la figure la première fois. Mais je m'en veux de te l'avoir lancé une deuxième fois. Non. Dites-moi s'il vous plaît que c'est un prank. C'est une caméra cachée. Attendez, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Je ne vais pas m'excuser de t'avoir balancé le premier verre, mais je m'excuse du deuxième. C'est pas toi que je visais. Ah, en plus, elle s'excuse pour la deuxième fois parce que c'est pas elle qu'elle visait. C'est trop pour moi. Ça me saoulait que tout le monde dise qu'on essayait de gâcher la soirée, alors que pas du tout. J'étais pompette, on rigolait tous les deux, c'est tout. Marina, sans rancune. Toi, je te parle pas. Allez, sans rancune. Non, pas maintenant, Joey. C'est la personne qui apparemment vous a le plus blessé à vous deux, bande de grosses connasses. Mais c'est à Chloé que vous avez fait les choses. Vous avez balancé des verres, vous avez voulu faire des fronts contre fronts. Ce genre d'expérience de vie, de faire de la télé-réalité, vous savez, je ne peux pas. Je le sais, je me connais. Quand il y a des histoires comme ça, dans ma tête, de me dire, putain, si j'étais là. Mais si j'étais là. Calcule pas et qu'on le traite pas comme le roi de la villa, commence à faire ses yeux de chien battu. Quand alors? Cet après-midi? Non. Allez, sans rancune. Respect. Non. Bah vas-y toi frérot, arrête de forcer aussi, c'est bon, dégage déjà que toute cette merde c'est à cause de toi. Casse-toi merde, dites-lui. Casse-toi Joey. T'es pas crédible, comment tu veux qu'elle te croie alors que t'as aucune crédibilité? Sans rancune les gars, je voulais pas gâcher la soirée, j'ai pas fait exprès. Je me suis pris les pieds dans le rideau pendant le concours. Oh là là. Excuse-toi parce que Chloé elle a tout pris dans la gueule par ta faute. Et ferme-la. Je veux plus jouer avec lui, je veux abandonner l'aventure. Ah ouais? Je te jure, j'ai l'impression que je vais devenir dingue dans cette villa à cause de ce gamin. Je l'ai défendu quand personne d'autre voulait le défendre. Et là aussi, je suis désolée, hein. Même là en étant contre lui, tu t'en es pris à la mauvaise personne. Je suis ta binôme, je m'en fiche que tu te préoccupes pas de mes sentiments. Mais quand je vois que tu t'en préoccupe pas, je me dis que je peux pas te faire confiance. À ton grand âge, Angelina, je le redirai jamais assez, de te mettre dans une situation comme ça pour un petit merdeux, ressaisis-toi, meuf. Si tu voulais pécho quelqu'un, tu ferais savoir. Mais ouais, exactement. T'es pas timide. Mais ça me tue de le voir se pavaner en disant que j'ai envie de le pécho. C'est n'importe quoi. On t'avait prévenu, non? T'as voulu faire ta belle, maintenant t'assumes. T'as fait la belle avec Chloé, tu vas assumer aussi. J'ai pris le temps d'organiser la soirée et de tout préparer. Si vous voulez pas participer, c'est pas grave. Mais les mecs ont pris de leur temps et sont sortis de leur zone de confort. Je trouve que c'était irrespectueux. Mais attendez, Joey ne voulait pas participer. Expliquez-moi pourquoi Chloé est inclus dans l'histoire et dans les actions de Joey. Joey était un peu trop bourré. Apparemment, il arrête pas de raconter de la merde et de faire chier tout le monde. Bonne chance, j'aimerais pas être à sa place. Quelqu'un d'autre a un truc à me dire pendant que je suis là? Vous m'avez empêché de baiser. Oh, mais il est sérieux, lui? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? À la queue de Johnny. Johnny, sérieux, tais-toi. Il avait l'air trop triste. Tu t'étais rasé et tout? Oh, j'avais oublié ça. Les nerfs sont tendus. James et Blake doivent choisir un binôme avec qui partager leur récompense. Blake est mon binôme. Pas besoin d'être Einstein pour deviner avec qui il veut passer la journée. Et c'est... Comment elle s'appelle? Gigi. Blake et moi, on a eu une longue conversation là-dessus. C'est la première récompense paradis qu'on gagne. Alors on vous laisse faire plaisir. On a décidé de choisir Gigi et Karine. Tout ça pour ça? Bah oui, c'était évident. Bon, de toute façon, elle mérite. Moi, je les aime bien, ces deux. Ces deux petites chéries, je les adore. Ça va être cool. Profitez. Vous allez bien profiter. Eh, oula, James, déjà, il profite maintenant. James et Blake partent en journée spa avec Janina et Karimé à l'abri des embrouilles de la villa. Ça, c'est une vraie récompense. Grave, ils vont se la régaler. Même dans un lieu aussi exceptionnel avec une tension pareille, je donnerais tout pour fuir, hein. Une randonnée sous 40 degrés, j'y vais. Mais non, j'y crois pas. C'est énorme.
croirait dans un rêve. Merci beaucoup, Papi Chulo. Karimé. Oh là là, l'endroit est magnifique. Hein. On voulait qu'elle vienne avec nous pour être seule avec elle et voir ce qui se passe. On va vous faire passer le meilleur moment de votre vie. Vous allez vous en souvenir. Karimé, toujours plus. Ah ouais, Karimé, il y a du caviar et tout. Par contre, les récompenses, ils blaguent pas. Hein. Vraiment, il y a du budget. Hein. On doit envoyer une équipe au jeu Exil. On pense que Ricardo et Venji sont les plus forts. Ils s'en sortent bien. Non, les plus forts, c'est vous. Ouais, mais c'est des concurrents de taille. Venji est venu nous parler aujourd'hui. Il nous a dit... Je me disais qu'on pouvait essayer de former une alliance. Vous feriez la même chose pour Ricardo et moi. Si vous nous envoyez pas au jeu Exil, on vous nominera pas si on gagne une autre épreuve. Bah ouais, c'est hyper intelligent, sachant que c'est les deux binômes les plus forts du classement. Ça nous ferait chier de pas les choisir, qu'ils gagnent la semaine prochaine et qu'ils nous la mettent à l'envers. J'ai 100% confiance en Ricardo, 100%. J'en mettrai ma main au feu. Envoyez Joey plutôt. Mais la vérité, ouais, pourquoi vous vous posez une question? Vous êtes en train de vous dire, oui, bon, en fait, Venji nous a proposé une alliance... Mais c'est à tes risques et périls. Envoyez ceux qui méritent le plus d'aller en exil. Joey mériterait d'aller en exil, mais pas Angelina. C'est clair. Et pourquoi? Bien sûr que si. Ah non, faut assumer, hein. Peut-être que ce soir, on saura qui on veut envoyer au jeu exil. Ouais, j'espère. On va passer une super journée. On est avec vous deux, on est en bonne compagnie. On va boire, on va manger, je vais faire masser. Ah bah lui, il a pas oublié, hein. Marina, prépare des verres au lieu de les balancer. Hé les gars, qui est prêt à boire un verre? Tout le monde essaye d'oublier les embrouilles d'hier. La paix est déclarée. Ah ouais, elle est où, Chloé? Où est Chloé? Ça va depuis ce qui s'est passé hier? Ouais. Encore un verre? Je risque de retomber. Ouais, j'avoue. Tout le monde rigole, tout le monde boit. Je me sens trop exclue. J'ai l'impression d'être à l'écart. Mais en fait, je comprends. Vu que Joey est aussi exclue, donc elle se dit, je reste avec Joey. Mais non. Bethane, t'es où, Bethane? Va prendre ta copine, là. Dis-lui, viens te mettre dans la piscine avec nous. Arrête de coller ce trou du cul, là. Ce soir, je bois pas. Moi, je bois. Laisse tomber. Imagine si je me pète la gueule encore une fois. Et vas-y, toi, arrête de forcer avec ton mensonge, là. Je veux que toutes mes journées soient comme aujourd'hui. C'est noté. C'est pas la même chose, là. Laisse-moi te faciliter la tâche. Pas mal, hein. Vas-y, appuie plus fort. C'est le meilleur massage de ma vie. Bon, quand même, ils doivent kiffer, hein. Mais c'est bon, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît, parce que moi-même, genre, je suis un peu gênée. Je suis jalouse. Ça devient un massage érotique. Tu veux que je te cache? Ouais, il me faut une serviette. Je serais débile si ça me chauffait pas. Gigi et moi, on est dans notre phase lune de miel. C'était tout beau, c'était tout love, so romantique. Et d'un seul coup, on est passé à Karimé. James et Karimé, ils sont dans leur phase spring break. T'es grave perché, tu le sais ça? Tu trouves? Ouais, tu t'éclates, tu te prends pas la tête. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde niveau sexe. Si on parlait des choses du quotidien, on n'aurait rien à se dire. T'es trop mon genre. Quand tu tapes un Jordi, c'est fini. Karimé avec un Jordi, l'équation de malade. Un chiton dessert. Ça ou plus gros? Plus gros. Il y a beaucoup de tensions sexuelles entre nous. Ah ouais? J'avais pas remarqué, tiens. T'es super sexy, tu le sais ça? Ça devient tendu. Pendant que Karimé prend une dose de vitamine D. Pourquoi? Ça m'arrive toujours. Sans déconner, c'est quoi cette séquence? Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit temps là. Villa se réunit pour savoir ce qu'Angelina devrait faire vis-à-vis de Joey. Plein de gens détestent Joey. Tant mieux. D'habitude, je prendrais sa défense, mais là, non. Ce que j'ai vu hier soir, ça m'a dégoûté. Ouais, mais on s'en fout. Ah, maintenant, faudrait qu'on soit tous derrière toi. Allez, on prend les fourches et les torches, non? Reste dans ta merde. T'as présenté tes excuses à Chloé? Non. On sait qu'il est comme ça. Il arrive, il fait des blagues et on prend ça à la rigolade. Maintenant que vous êtes en froid tous les deux, tu penses qu'il va te faire perdre? Ouais, c'est obligé. Moi, je pense plus que c'est toi qui feras en sorte de perdre. Entre Joey et Angelina, celui ou celle qui a le plus le seum, c'est Angelina. Joey et Angelina sont en froid, ce qui est une bonne chose, parce qu'ils forment une équipe soudée. Mais là, ils se déchirent. Et nous, on est bien contents. Oui, oui. Vous avez un but en commun, gagner l'épreuve et éviter l'exil. Vous n'avez pas besoin de vous adresser la parole. Pas une faux cul. Vous êtes fort. Ouais, mais je veux pas faire la faux cul. Donc en fait, la compétition, t'en as rien à foutre. Moi, je te dis, meuf, t'as des sentiments. Tu peux pas être autant impliquée pour un mec qui en a rien à faire de toi. Faut juste que tu fasses en sorte qu'il atteigne votre objectif. C'est tout. Vous êtes pas obligé de vous aimer. J'avoue. La meuf, ça fait quand même 5 épisodes, 6 épisodes, que dis-je, qui dragouille, qui fait machin. Angelina, ouais, tu lui as pas dit, c'est qu'un jeu. Et t'as pris en grippe qui? La meuf qui l'a pécho. Ça fait beaucoup, là. Je trouve que vous avez une bonne... Oh là 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 là. Voilà. Quand vous fêterez vos 2 ans, tu pourras offrir ton cul à Blake. Karimé a encore bu tout le beurre. En gros, il est en train de nous conseiller de pratiquer la sodomie. Mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus, j'ai rien fait. Je vais me faire allumer un jour, moi, je le sens. La tension sexuelle est tellement forte pendant ce double date. On essaye de faire craquer les autres et de voir qui craque en premier.
Action ou vérité? Action. Enlève ton maillot de bain. Oula, oulala, oulala. Je pense sincèrement que maintenant, Mehdi, va falloir qu'il regarde les épisodes en avance. Parce que entre la tension sexuelle qu'il y a là dans ces séquences, plus la musique en fond qu'ils viennent de rajouter, ouais, là, ça va pas être avec des fruits, je pense. Hein. Ça va s'amuser. Échanger de maillot. Qu'est-ce que t'es sexy, maman chula. Là, mon bas de bikini est devenu extra large. Papi chulo, tu me plais trop. Action ou vérité? Action. Je te défie de rouler une pelle à Karimé. Avec plaisir. C'est pas un bisou là, c'est je te lave le visage. Un chat qui fait sa toilette. Pendant que Karimé et Janina se galochent, Joey fait une tentative d'approche. Tu me détestes? Non, pas du tout. Oh, il me dégoûte. Il va aller voir tout le monde en disant « Tu me détestes? Tu ne m'aimes pas ?» Comment ça se passe entre Angelina et toi? Faut que je lui parle. Faut que tu lui parles. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, j'ai réussi à garder mes distances. Tu iras lui parler quand tu seras prêt. Je crois que je suis prêt. On attend. Heureusement qu'on a choisi Karimé et Gigi. Ouais. Mais elles nous ont pas trop aidés à peaufiner notre stratégie. J'ai oublié tout le monde à part nous et les filles. Bonsoir. Gigi, elle est magnifique. Hein. L'ange et la diablesse. T'es trop sexy, toi. Ah oui? Bon, Karimé aussi, hein, bien évidemment. C'est juste que c'est deux styles totalement différents. J'ai pas envie de retourner à la villa. Je m'en fous de la thune et de la villa. Je préfère rester ici avec Gigi. Je suis sûr qu'ils sont encore en train de s'embrouiller pour rien. C'était un vrai moment d'évasion aujourd'hui. C'est vrai que pour le coup, là, eux, best moment pour avoir une récompense. Hein. Malheureusement pour Joey, il ne pourra pas échapper à un face-à-face avec sa binôme, Angelina. Tu fais quoi? C'est mon verre, ça. Viens le chercher. Quoi? Viens le chercher. Donne-le-moi, s'il te plaît. Vas-y, je vais me retenir. Je vais laisser la séquence, on va voir, parce que sinon je sens que je vais démarrer pour rien et on va rien comprendre. J'étais complètement bourré. Arrête de raconter des conneries. J'en ai marre, ça me saoule que tu racontes de la merde. T'étais pas bourré, tu me l'as dit toi-même. Angelina, j'étais bourré, c'est pour ça que j'ai dit tout ça. Pourquoi tu chuchotes, Angelina? Pourquoi tu te poses telle une dame sur le teco comme as? Pourquoi tu fais pas la thug comme hier avec Chloé? Là, c'est la seule occasion que t'auras pour pouvoir nous prouver si t'es vraiment une pioupioute ou pas une vraie pioupioute. Pourquoi je mentirais? Tu peux pas te servir de cette excuse pour te justifier. Désolé, mais c'est mort. Toi aussi, hein. T'as pas besoin de te servir de lui pour justifier tes actes précédents. Non, 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 non. Je joue pas à ça, laisse tomber. Tu m'as saoulé, j'en ai marre de tes conneries. La gênance. Tout le monde sait que t'es mariée. D'accord, mais tu joues à quoi? Parce que quand je t'ai demandé si t'étais mariée, tu m'as répondu oui, mais non. Oui, mais c'est ce que je dis à tout le monde. Je suis comme ça, c'est ma façon de draguer. Bah excuse-nous alors de mal comprendre, hein. T'es plus impliquée dans l'histoire, dans la dispute avec Chloé, parce qu'elle a pécho un mec, qu'avec ce mec-là, qui raconte à tout le monde que même en étant mariée, t'as envie qu'il te soulève. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais ce que tu m'as dit, ça m'a fait ressentir certaines choses. Et je les exprime, c'est tout. Bah ouais, meuf, ma foi, tu joues sur plusieurs tableaux. Faut assumer, hein. Quand on aime vivre dangereusement, on se plaint pas de pas avoir mis sa ceinture et d'avoir la tête dans le pare-brise. Tu as dit à tout le monde que j'étais mariée et que je te draguais. Parce que c'est comme ça que je vois les choses. C'est n'importe quoi. C'est ce que je ressens. Elle assume pas. Elle ment comme elle respire. Je crois qu'elle aime les embrouilles. Et c'est pas pour rien que la production vous a mis ensemble en binôme. Parce que oui, Angelina est une grosse menteuse, est une grosse drama. Elle a un ego surdimensionné et elle supporte pas de ne pas être au centre de l'attention. Assieds-toi, on n'a pas fini. Enlève tes lunettes. Non mais sérieux. Toi, enlève tes lunettes aussi. Tes lunettes là qui te pincent le bout du nez là. Ça me saoule de me disputer avec toi. Tu peux pas faire ça tous les soirs, tu pourris la vie de tout le monde. C'est bon, j'arrête. Je te fais pas confiance. Je veux plus être ta binôme. Génial. La situation est tendue entre Angelina et Joey. Mais on en a rien à foutre. Allez, champagne! Bouffez-vous la gueule. Oui, 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 oui. Au moins, certains sont détendus. T'es trop belle. On s'est bien amusé aujourd'hui. T'as eu ton clou du spectacle. Je me suis fini tout seul. Je lui ai lâché la plus grosse bombe de l'univers. Je lui ai dit, Joey, je crois que ça se passe pas bien entre Chloé et toi. Elle me fait, mais non, c'est mon meilleur ami, c'est tout. Alors je lui réponds, ok, parfait, vous pouvez faire équipe alors. Ah mais ouais, c'est ce que t'as dit hier alors. Mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Oh ma parole, c'est... Oh j'ai du mal à suivre. Cette femme est folle. James et Blake hésitaient entre deux équipes. Angelina et Joey et Venji et toi. Ils veulent envoyer Joey en exil, ils veulent pas faire de peine à Angelina, et je les comprends. Moi je comprends pas. Pour eux, le choix qui s'imposait, c'était Venji et toi. Mais j'ai passé la journée à leur dire qu'il fallait pas vous choisir, parce que vous leur proposiez de faire une alliance. T'as plus passé la journée à faire autre chose. Hein. C'était juste pendant l'arrivée, hein. C'était l'intro. Après, t'as vite oublié Benji et Ricardo. Hein. Ça te fait chier de choisir ton pote? Vous connaissez d'avant Joey et toi? Ouais, ça me fait chier de le choisir. Je comprends. Soit on choisit Ricardo et Benji, soit Joey et Angelina. Faut qu'on tape dans le haut du classement. D'accord. Ma parole, j'espère du fond du cœur qu'ils vont envoyer en exil Joey et Angelina. Eux deux, ils étaient en mode romantique pendant que nous, on faisait nos bails sombres. J'avais une banane et elle la suçait. Regardez. J'ai trop hâte de voir ça. Regardez, j'ai une grande bouche. Oh non, c'est reparti pour un tour.
Oh, il est fier de son projet, hein, James. Hé, regardez, je suis reparti chercher une banane, elle va vous montrer. T'avais envie de lui sucer la banane. Et là, je parle pas du fruit. Benji, c'est à toi. Non, c'est moi qui fais. Oh, 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 tu veux la vraie? Mon Dieu, mais ça part en cacahuète. Ça va trop vite pour moi, là. J'aurais jamais dû dire ça, je me sens trop gêné maintenant. T'inquiète, je gère. Ça te fait une grosse bite. Les Brésiliens ont une grosse bite. Oh my god! What is that? C'est quoi cet épisode de malade, de fou furieux, de psychopathe? Encore un verre. Allez, merci. Là, vraiment, ce pull-up, il tombe à pic. Rangez-moi cette banane, merde. Les nominations à l'exil. Chers gagnants du jeu Paradis, ce soir, vous n'aurez pas à nominer une équipe pour participer au prochain jeu exil. C'est trop chiant. Oh, ta gueule, toi. De toute façon, tu vas y aller en exil. Toi, ma parole, toi, je t'oublie pas, toi. Ça fait 24 heures qu'on stresse parce qu'on croyait qu'on devait nommer une équipe. Quelqu'un peut m'expliquer le message sous-jacent? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Sous-jacent. Prenez un shot, vous allez en avoir besoin. Évitez. Putain, vraiment arrêtez avec le bar, donnez-leur de l'eau. Parce que ce soir, vous changez de binôme. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'y attendais, mais tellement pas. Mais ça veut dire quoi? Qui va choisir? Oh là là, oh là là, il y a trop d'informations. Cet épisode, il était digne des retrouvailles. On n'est pas encore au bout de nos surprises, hein. Prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout des gens qui prennent soin de vous et qui vous considèrent, c'est très important. Et je vous dis bisous. Ciao, ciao. Marina, je t'ai pas oublié. Marina, ce que t'as fait à Chloé, crois pas que j'ai oublié. Toi, écoute-moi bien. Toi et Trina, vous avez dépassé le stade d'Angelina et Joey. Ça y est, eux, c'est cause perdue, j'en ai rien à foutre. Marina, Trina, écoutez-moi bien, si elle termine en binôme, la semaine prochaine, je casse tout. Ça va être les personnes que j'aurai le plus envie de tuer dans ma vie. J'ai hâte. Allez, ciao. Bisous. Raw girl shit.